Bonsoir tout le monde, comment vous allez J'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur la page de JBDev95, connu sur les autres réseaux sociaux, tuto JBDev, comme vous le voyez ici. Il euh, y a deux jours de cela, on m'a mis en poste, on m'avait dit que voilà, salut les devs, j'espère que vous allez bien, comme d'hab. Alors pour les fans de Python, ne ratez pas ce tuto, une formation complète, quand je vous dis c'est complète, c'est complète. Avec beaucoup d'explications cette semaine plus une base de données mysql avec une interface de connexion n'oubliez pas de partager merci à vous pour le soutien donc euh, c'est énorme déjà c'est un grand plaisir de venir ici de partager avec vous la connaissance donc euh, voilà c'est bien c'est bien ça nous fait du bien les gars parce que normalement si aujourd'hui nous sommes jb95 euh, c'est grâce à vous c'est pas uniquement jb95 vous aussi vous faites partie de la team, vous faites partie de jbdmf 95 Alors, euh, dans cette vidéo, pourquoi j'avais dit que voilà une base de données MySQL Parce que normalement, il euh, y a déjà d'autres vidéos concernant le langage, le langage Python sur la chaîne, mais il n'y avait pas de. Vous voyez, donc c'est celui-là, donc c'est celle-là, c'est cette vidéo-là une application Python pour gérer tout ça etc mais il n'y avait pas il y avait déjà une base de données mais c'était avec ma c'était avec sqlite mais aujourd'hui parce que normalement il y avait beaucoup de commentaires donc soi-disant que voilà il pouvait pas euh, genre euh, sans importer la base de données ou bien il y a tout, il y avait un, il y avait des erreurs quelque part, je ne me rappelle plus parce que ça date, ça, ça remonte à 6 mois, quelque chose, ou 4 mois, je, je ne me rappelle plus. Mais aujourd'hui, on va, on va voir ça ensemble dans une autre base de données, ou plutôt avec une autre base de données, les gars. Donc euh, voilà, cette fenêtre là, c'est la base des bases. C'est la base des bases comme toute fenêtre de, de connexion. Si le nom d'utilisateur est pas correct du moins le, le mot de passe est pas correct donc ça va nous afficher une erreur si les champs sont vides toujours une erreur et ensuite pour, euh, pour le nom d'utilisateur c'est correct donc directement on va directement euh, afficher une autre fenêtre et c'est la fenêtre là où l'utilisateur va entrer les informations pour les étudiants ou du moins pour euh, les élèves mais il y a un truc que je voulais vous dire les gars c'est que vous voyez tout à l'heure on était dans la fenêtre de connexion. Donc directement quand le mot de passe et aussi le nom d'utilisateur est correct, donc directement on passe vers une autre fenêtre et ça est l'autre fenêtre, c'est-à-dire la fenêtre de connexion. On a mis euh, euh, un, c'était quoi C'était une méthode, je me rappelle plus, mais c'était une fonction donc qui permet donc voilà donc directement la fenêtre euh, va être genre partie ou du moins si on va déconnecter de cette fenêtre là. On va faire appel à une autre fenêtre. Là voilà, c'est wood "destroy", "this", "destroy". Donc c'est en anglais. Donc voilà. Et pour euh, cette fenêtre là, c'est-à-dire la fenêtre d'enregistrement des notes des étudiants, c'est la base des bases, les gars. C'est c'est toujours pareil. En fait, pour enregistrer, pour modifier, pour supprimer, c'est pareil. Mais il y a un petit truc que voilà, je voulais vous dire encore de plus, c'est que dans cette vidéo-là, il y a plus de fonctionnalités comparativement avec les autres vidéos. Il va y avoir plus d'explications parce que euh, c'est une formation aussi. N'oubliez pas, c'est une formation. Et voilà, donc ici on a mis une fonction donc euh, genre euh, on va euh, actualiser la page et dans les autres vidéos, dans les autres vidéos, il n'y avait pas cette fonctionnalité là. Donc c'est pour cela donc je vous dis de, de partager un max autour de vous. Donc voilà les gars, de partager autour de vous. Par exemple, prenons le cas, donc on va supprimer euh, l'ID numéro 10, la ligne numéro 10. Et aussi il y a un petit truc, les gars, franchement pour les gens pour les débutants pour les débutants là je parle avec vous l'id c'est unique en fait l'id c'est unique ouais ce que je veux dire en gros bien avant de supprimer cette partie-là je vais vous montrer un truc Prenons le cas avec l'id euh, on va ajouter avec on va ajouter euh, 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 un élève avec un, un élève avec le même ID le même avec la même clé primaire c'est-à-dire avec la matricule regardons le cas on va dire test1 Va dire test 1, test 1, masculin, hop là, hop là, test 1, et puis voilà, voilà, vous allez voir, vous voyez, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se passe. Par contre, il y a déjà une erreur au niveau terminal, là où moi-même, ou du moins là où il y a les codes, les codes sources, les gars, il y a déjà une erreur là, je vais vous montrer ça. Donc vous voyez, vous voyez 10 104k primary. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la clé primaire, c'est très important. C'est grâce à c'est grâce à ça que voilà. Il y a beaucoup de choses que voilà, les requêtes. On va on va passer des requêtes, c'est-à-dire on va modifier, on va supprimer, on va ajouter. Donc c'est grâce à c'est grâce à la clé primaire, c'est à, à l'aide de, de la clé primaire, tout ça. Donc voilà les gars, c'est important de toujours mettre une clé primaire donc c'est important c'est important par exemple si on veut supprimer Jean Pierre étienne. donc directement on va supprimer ça va être ça est direct ça va supprimer alors donc ça ensemble ouais ce que je veux dire maintenant si on veut faire euh, genre si on veut ajouter par exemple avec euh, encore encore la matricule 10 donc ça va être ça va l'être en fait les gars regardons ça ensemble donc on va dire test hop là hop là voilà test hop là voilà. On va enregistrer. Note ajoutée. Regardons ça ensemble. ouais, 10 test, test, test. Pourquoi? Parce que et la matricule tout à l'heure, euh, la, la matricule qu'il y avait auparavant, on l'avait supprimée en fait de, depuis la table. Depuis la table dans, dans la base des étudiants, en fait, dans la base de données des étudiants. C'est pour cela que je vous dis euh, les matricules sont très très importants. Alors, bien avant de, de entrer dans le vif du sujet, donc euh, les gars. Euh, J'ai téléchargé en fait deux photos et euh, grâce à ces photos-là, donc je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe réellement et surtout euh, pour les débutants. Euh, ça peut arriver aussi. Il euh, y, y a un programmeur parmi nous, donc voilà, donc il va plus comprendre qu'est-ce qui se passe réellement au niveau de la programmation dans le monde de la programmation, dans le monde de la vente des, des applications, des logiciels, etc. Donc déjà, euh, je suppose que vous, vous dites mais pourquoi il y ramène en plan Donc euh, voilà. Prenons le cas de Monsieur Jean. Monsieur Jean, donc il a beaucoup d'argent, il a dit, bon écoute, là, maintenant, je me décide, ça est. Je vais construire ma propre maison. Donc voilà, j'ai déjà les petites idées en tête. Donc je vais mettre telle chambre ici, telle chambre là-bas, tout ça, etc. Donc, ça c'est pour les débutants. Les débutants, en fait. Ne, ne vous précipite pas. Hein. Ne vous précipitez pas, Jean, bien avant de entamer les codes, bien avant de de courir sur les codes, il faut déjà un plan, il faut déjà l'idée, l'idée c'est quoi, de créer une application pour gérer euh, la, les notes des étudiants, tout ça, comme, comme, comme vous le voyez ici là, donc regardons bien, des mots notes étudiants, il faut déjà l'idée, après l'idée, il vous faut un plan, le plan c'est ça, l'idée de Monsieur Jacques c'est de construire sa propre maison, mais là il donc voilà, j'ai beaucoup d'argent, il me faut, il me faut une, une maison. Donc voilà, ça c'est l'idée. Mais déjà, c'est quoi le plan Vous voulez faire quoi Vous voulez que voilà et la salle de bain soit, soit ouf, tout ça, etc. Donc, maintenant, qu'est-ce que Monsieur Jacques va faire parce que lui, il sait pas beaucoup en fait. Il sait pas beaucoup euh, en termes de d'architecture, tout ça etc. Il va faire appel avec un, un programme. C'est pas c'est pas un programmeur, mais plutôt il va faire appel avec un architecte. Donc, pour nos cas, c'est pour nous les programmeurs. Pour les débutants, donc là je parle pour les débutants. Les débutants, ça peut arriver, c'est pas un client en fait qui vous fait appel vu que vous êtes, vous êtes des débutants. Donc, c'est vous en hein, question qui va dire ok, ils me font un plan. Mais pour les gens qui, qui programment déjà, donc euh, les étudiants, tout ça, etc., ils vous font un plan. Maintenant, vous avez l'idée et le plan, ça y est, c'est bon. C'est Monsieur Jacques, donc il a l'idée et ensuite il, il fait appel avec euh, l'architecte et l'architecte, hop, hop, ça y est, ils en discutent, ça y est, c'est parfait. Donc, regardons bien ensemble. Donc, la salle de bain, ça va être ici, les chambres, ça va être ici, etc. Donc, en gros, c'est ça. Regardons bien de plus près euh, le projet, le projet de mon autre étudiant. Donc, dans ce projet-là, euh, le client m'a demandé, en fait, euh, de créer une fenêtre, d'une interface, de créer une interface de connexion. Donc, à l'intérieur de cette interface-là donc il faut que voilà donc l'utilisateur ou du moins s'il faut que moi en tant que client je peux intervenir c'est à dire rentrer euh, un mot de passe euh, en notre utilisateur si le mot de passe n'est pas correct donc euh, affiche moi euh, je sais pas euh, une erreur tout ça etc affiche moi montre moi quelque chose voyez ce que je veux dire déjà c'est c'est moi avec le client qui a qui a donc euh, ce dialogue -là, en fait donc on est en train de discuter euh, comment on va faire comment on va gérer, donc monsieur jacques c'est ça en gros quand il fait appel avec euh, l'architecte donc pour les débutants dans un premier dans un premier temps excuse moi dans un premier temps je vous dis euh, il vous faut déjà l'idée ensuite l'idée vous allez mettre le plan quelque part maintenant il y a ce qu'on appelle les détails les détails dans les plans regardons bien de plus près si on veut zoomer si on si on peut zoomer oh, voilà on peut zoomer regardons bien tout ça ce sont des détails vous voyez les petits coins les petits retouches tout ça nanana, nanana, les machins alors vous dites que voilà mais il y a l'idée le plan et les détails mais c'est quoi ça alors les détails les gars pour les débutants et aussi pour les déjà pour, pour les programmeurs qui savent programmer donc voilà, vous savez programmer maintenant vous avez des idées euh, vous savez pas quoi faire et bien voilà, alors c'est ça les détails les détails c'est grâce à eux, vous allez avoir beaucoup d'explications beaucoup euh, euh, beaucoup de choses à dire donc quand vous allez vendre l'idée, quand vous allez convaincre un client, c'est grâce, grâce à ces détails en fait, donc vous allez dire ok par exemple prenons le cas, bon, il y a beaucoup euh, regardons regardons bien ensemble pour euh, 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 démonter étudiants il y a beaucoup de euh, logiciels sur démonter étudiants il y en a beaucoup sur le marché mais là pourquoi vous êtes là c'est parce que moi je les détails en fait je, je vais vous expliquer de a à z qu'est-ce qui se passe ouais je veux dire je vais vous je vais vous donner l'opportunité même après une vidéo donc vous serez déjà en mesure de créer quelque chose de convaincre un client donc c'est pour cela que vous êtes là les gars vous voyez ce que je veux dire en gros c'est ça dans un premier temps écoutez moi bien il nous faut l'idée pour les débutants mais pour les programmeurs je sais que voilà vous avez des bêtes idées des idées de ouf donc c'est même pas la peine de, de vous dire que voilà il vous faut des idées parce que je sais j'ai déjà parlé avec beaucoup de programmeurs c'est des fous les gars quand je dis c'est des fous c'est pas des fous méchamment, mais c'est des c'est des mecs voilà quoi il veut révolutionner le monde, frérot. Donc voici. un gros, c'est ça. Il nous faut l'idée pour les débutants. Après l'idée, les gars, il nous faut quoi? Il nous faut le plan. Vous voyez ce que je veux dire Il nous faut le plan. Après le plan, il nous faut les petits détails. C'est grâce aux détails, en fait, vous allez avoir beaucoup d'explications pour convaincre le client. C'est en trois étapes. Maintenant, les détails au niveau de projet. Ça, c'était les détails que, voilà, tout à l'heure, je viens vous montrer, c'était les détails au niveau d'architecte, tout ça, l'architecte, il a mis des petits détails comme ça pour convaincre euh, M. Jacques, afin que, voilà, qu'il accepte le plan, afin qu'il accepte l'idée. Donc, maintenant, c'est à vous, maintenant, les petits détails, les petits détails, c'est ça, en fait, par exemple, les petits détails pour nous, en tant que programmeur, c'est ça, par exemple, tout ça, ça va nous afficher des erreurs. Le champ et les champs sont vides, ça, nous, ça va nous afficher des erreurs. Là maintenant, vous avez aussi des arguments, genre, pour dire que voilà, bon, écoute, regardons ça de plus près. Par exemple, si l'utilisateur rentre rien dans les champs, c'est-à-dire euh, a oublié de mettre euh, les données directement depuis euh, le champ de nos utilisateurs, directement, on a mis une petite fonction, euh, une petite fonction directement qui va nous afficher une erreur. Donc, Ça c'est déjà pas mal, donc pour les clients qui okay, va bah, dire ok, bon, okay, pourquoi pas, pourquoi pas, ouais, je vais dire, mais en gros, c'est ça. Maintenant, ça c'est pour les projets en fait, ça c'est les détails pour les projets, ouais, je vais dire en gros, voilà, c'est ça. Alors, euh, regarde par exemple, bien avant de, 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 de terminer l'intro, tout ça, ça c'est l'intro en fait, la partie d'explication n'est pas encore là, hein, les gars. Donc, si vous avez un petit truc, je sais pas moi. Si vous avez faim, allez manger quelque chose. Ensuite, mais sur pause, reviens les gars, parce que ça va durer. Par exemple, prenons les cas euh, dans, dans le logiciel pour euh, en ce moment. En ce moment, j'ai train de programmer pour vous, les gars, pour les commerçants, tout ça, etc. Par exemple, ici, ça c'est au niveau de langage et java. Par exemple, ici, j'ai déjà des arguments pour convaincre, pour vous convaincre, les gars. J'ai déjà des arguments. Le fait que même la beauté. Déjà, il y a déjà des arguments. C'est ça que je veux dire. C'est pour cela, ça ça, 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 ça a pris beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, tout ça. Donc, euh, voilà, les gars. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Donc, directement, ça, c'est déjà quelque chose de bien, quelque chose de euh, positif. Vous voyez ce que je veux dire En gros, c'est ça. Donc, voilà. Euh, voilà. Et puis, voilà. Ouais, donc en gros c'est ça. C'était juste un petit truc vite fait que voilà je voulais vous montrer. Donc voilà, on va fermer tout ça. Voilà. Quand ça va être prêt, je vais mettre ça sur la chaîne. Ensuite voilà, vous allez euh, vous allez euh, demander, je sais pas, comment vous allez faire. Mais déjà l'idée, elle est là. Ensuite il y avait le plan. Après le plan, ensuite il y a l'éditeur en fait. Oui. c'est les détails en fait qui 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 va, qui va jouer sur euh, euh, beaucoup 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 d'autres programmeurs donc il va présenter au même client des projets en commun des projets en commun donc c'est très important au niveau des détails les gars ok euh, maintenant monsieur Jacques donc déjà l'architecte donc, l'architecte l'a mis en plan et avec les détails. Donc, voilà, ils sont en train de discuter. Et puis, voilà, Monsieur Jacques dit Ok, bon, voilà, c'est bon pour moi. Donc, allez-y. Je vous donne le feu vert. Et puis, voilà. Regardons au final. Regardons au final qu'est-ce qui se passe. Au final. Nous allons voir ça ensemble. Au final, c'est ça. Vous voyez, c'est ça. Donc. Là, pourquoi cette photo-là Donc, ouais, les petits détails, les, les, les choses comme ça, etc. la couleur, tout ça. Ça, c'est déjà ce qu'on appelle les set les GTX fight, les combo box, les machins, nanani nanana tout ça, etc. Mais l'important, c'est pas ça en fait. L'important, c'est pas genre ouais, les les, 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 les les 7 les bandes, tout ça, etc., les G Combo Box. Mais pourtant, c'est la base. La base, ça, c'est le terrain, en fait, les gars. C'est la base des bases. C'est la base, il nous faut un terrain. Il nous faut, euh, voilà, il nous faut, euh, je ne sais pas combien mètre de mètres carrés de terrain. Donc, il nous faut. Maintenant, là, vous me dites, mais, mais qu'est-ce qu'il raconte encore, lui Là, déjà, c'est la base, les gars. C'est la base. C'est-à-dire la base des données. La base des données. Vous comprenez, là c'est la base de données. Donc, l'idée, le plan, les détails et la base de données. C'est les quatre éléments très, très importants, surtout au niveau d'application serveur. C'est-à-dire, donc, euh, au niveau serveur, euh, voilà. Pareil pour les applications Android, pareil pour les applications web. Dès qu'on dit que, voilà, on va enregistrer ou moins on va supprimer les gars. Rien d'autre à savoir, c'est les quatre éléments l'idée, le plan, les détails, la base et le primordial dans tout ça, c'est les détails. C'est les détails en fait. Voilà les gens qui vont genre, appliquer ou du moins, les, vont, les gens qui vont servir avec euh, vos applications, avec votre application. Donc, pour que voilà, afin qu'ils partagent et, et votre application, c'est grâce aux détails, les gars. Si vous n'avez pas assez d'arguments, donc assez de paroles, assez de phrases pour convaincre. Et, et, et les clients, tout ça, donc c'est mort, c'est mort. Donc en gros, c'est ça. Donc euh, voilà, je pense que tout est ok. Et puis voilà, on va passer directement au niveau de programmation. Donc euh, voilà, on va dire ok. Par exemple, maintenant, euh, Python File, on va dire numéro pour project. Du moins, c'est dans le même Python, ok. Voilà, on va dire ok. Maintenant, on va créer notre notre projet par exemple là on va dire maison maison jacques par exemple maison c'est juste que voilà l'exemple tout à l'heure on va faire en sorte que voilà donc tout le monde est ok parce que c'est grâce à ça donc voilà je me suis dit ok bon peut-être que voilà euh, pas 100% mais au moins euh, 90% donc tout le monde euh, va être ok là maintenant on a monsieur jacques donc euh, veut créer une maison donc du coup voilà ça c'est l'idée de monsieur jacques et ensuite monsieur jacques fait appel avec nous en tant que programmeur gb95 et puis on a parlé avec monsieur jacques monsieur jacques, euh, nous dit que voilà je veux une interface donc dans cette dans cette interface je veux que dans, dans cette fenêtre là je vais connecter tout ça nan, 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 les, les machins etc par exemple je dis ok pas de souci monsieur jacques donc maintenant qu'est ce que je vais faire je vais dire je vais créer un fichier euh, un fichier donc voilà ici fichier on va l'enregistrer euh, sur le point pi par exemple on va dire euh, la porte bon, euh, donc la chambre numéro 1 chambre numéro 1 donc pour aller de, de l'autre chambre c'est-à-dire pour dans, dans la chambre numéro 1 il y a une porte et grâce à cette porte là donc directement on va on va directement passer dans la chambre numéro 2 donc on va dire chambre numéro 1. chambre numéro 1, vous voyez OK voilà parfait déjà chambre numéro 1 maintenant dans la chambre du numéro 1, il y a beaucoup de détails, en fait. Il y a beaucoup de détails. Donc les détails, comme je vous avais dit, c'est quoi les gars C'est les explications. C'est les explications. Ok, c'est les explications. Maintenant, par exemple, tu veux décorer, je ne sais pas, la maison de, de ta propre façon, tout ça, etc. Maintenant, regardons ça ensemble. On va dire, ok, on va importer ces, euh, ces bibliothèques. Ces bibliothèques. Voyez, ouais, donc pourquoi j'ai fait en copy-paste là, les gars, c'est juste pour aller plus vite. Donc, euh, ne vous inquiétez pas, on va tout expliquer en détail, les gars. Là, il m'affiche une erreur mais c'est juste que voilà, les syntaxes. Tout ça, on va dire, c'est à cause des syntaxes. Voilà, parfait, les gars. Voyez, ouais, donc euh, les bibliothèques, c'est déjà important. From shop, process, import, cal, tout ça etc la méthode que vous voyez ici là la méthode cal c'est genre tout à l'heure dans la démonstration quand voilà après la partie de connexion directement, il y avait l'autre fenêtre qui s'est affichée. Donc c'est ça en fait, c'est grâce à cette méthode-là. Donc on a pu euh, utiliser, on a pu utiliser cette méthode-là pour faire appel avec l'autre fenêtre. Et ensuite, la première fenêtre va être genre partie disparue, tout ça, etc. Les gars. Donc en gros c'est ça. C ce sont les bibliothèques qu'on va utiliser euh, dans la chambre numéro 1, afin que voilà, on puisse intervenir ensuite dans la chambre numéro 2. Maintenant. Au final, donc pour que la chambre soit correcte, il nous faut quoi Il nous faut euh, ce qu'on appelle le moteur. Le moteur c'est quoi en euh, langage Donc c'est la partie d'exécution. Pour que voilà, ça s'exécute. Par exemple, on va prendre cette partie-là, on va faire un copy-paste. Vous voyez, donc cette partie-là, hop là, dans la chambre numéro 2. Dans la chambre numéro 1 excuse-moi. Donc voilà, ça c'est la partie d'exécution. Il y avait la, les parties, les bibliothèques à importer et ensuite la partie d'exécution. Donc ça c'est déjà pas mal. Donc pour intervenir, donc certains à dire pour fermer, etc. pour close et la, la chambre numéro 1. C'est-à-dire que voilà, bon ça y est, je déjà passé dans la chambre numéro 1. Euh, voilà, j'ai plus rien à voir. Donc moi, euh, je suis dans la partie numéro 2. Ouais, donc voilà, vous pouvez fermer la porte. Et merci, c'est un plaisir de travailler avec vous. Voilà ouais, ce que je dis en gros, c'est ça. Et Ensuite, il nous faut quoi maintenant dans la chambre numéro 1? Dans la chambre numéro 1, il nous faut les, c'est-à-dire les dimensions l'axe des x la grandeur la valeur etc etc les gars là déjà tout ça on va prendre la fenêtre vous voyez hop là on va faire un copy paste hop là vous voyez hop là on va mettre ça ici paste vous voyez en gros c'est ça les gars n'hésitez pas à mettre sur pause et me poser des questions jb 5, qu'il est là pour ça les gars vous voyez déjà dans un premier temps et on a importé les bibliothèques les bibliothèques c'est ça et ensuite et la partie d'exécution, ça y est, là maintenant j'ai terminé, donc il faut que je passe directement dans la chambre numéro 2, ça y est, c'est bon, ouvre la porte s'il te plaît, et directement il va faire en sorte que voilà, il va analyser qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la chambre numéro 1, si tout est ok, et directement, ça va être ok, bon, ça y est, je peux partir. Donc vas-y ok bon voilà merci beaucoup au revoir hop pendant le cas donc on va exécuter excuse moi on va exécuter un peu vous voyez déjà c'est ça vous voyez ce que je veux dire en gros c'est ça donc fenêtre de connexion hop place. ça est maintenant qu'est ce qu'il faut savoir donc qu'est ce qu'il faut savoir dans ma fenêtre dans ma fenêtre il faut savoir que voilà il y a ce qu'on appelle route 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 en gros euh, comment je peux vous expliquer ça si euh, c'est le sol en fait, c'est le sol. C'est le sol de la maison, je pense. C'est le sol de la maison. Par exemple, s'il y a pas de sol, donc il n'y a rien. Il n'y a rien, t'as rien en fait. T'as pas de sol. Euh, comment tu vas construire ces garçons ouais, 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 je pense. C'est ça, hein. c'est ça en fait. Et ensuite grâce à donc ouais, ouais c'est ça en gros ouais ouais c'est ça c'est ça c'est comme euh, le sol de la maison donc euh, voilà le sol de la maison donc pour euh, monter euh, les briques de les briques tout ça etc euh, pour faire quelque chose de bien pour faire quelque chose euh, très très belle donc donc il nous faut le sol et ensuite on va intervenir avec les sables ciment tout ça etc les machins donc voilà pour construire la maison maintenant pour construire la fenêtre il nous faut route Root donc qui euh, directement dans la bibliothèque de Kinter. Ensuite on va dire Tika donc grâce à ça donc ça va nous dire ça va nous permettre d'utiliser les, les 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 widgets les widgets de, de de Kinter là que vous voyez ici. regardons ça ensemble. Root title fenêtre de connexion, route géométrie donc 400, l'axe des X et l'axe des Y donc vous voyez, l'axe des X, 400 et l'axe des Y, 300 et ensuite, il y a la hauteur et la largeur la hauteur et la largeur Age, Wage c'est la largeur et la hauteur Wage, Age, c'est ça qui nous permet de, de placer ça au milieu les gars regardons ça ensemble, par exemple si si là j'enlève, je, je mets euh, je mets 20 on va voir ça ensemble Là, ouais, donc en gros, c'est ça. Donc, avec gbw 5 comme je vous disais tout à l'heure, donc voilà, c'est carré, les gars, c'est carré. Donc, les explications, c'est déjà pas mal, c'est très bien euh, pour le moment. Parce que normalement, euh, euh, j'ai un problème de micro, c'est pour cela, donc ça sort mal un peu, mais déjà, c'est carré, les gars. Ok, nous avons vu quoi ensemble? Nous avons vu que voilà, il nous faut l'idée après l'idée, le plan après le plan. Les détails après les détails la base la base oui dès qu'on va intervenir c'est à dire entrer des informations la base c'est important oui c'est quatre éléments et l'un des éléments les plus 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 important c'est quoi c'est les détails c'est les détails maintenant c'est les détails qu'on est en train de voir là les gars c'est les détails maintenant dans les détails c'est à dire dans la chambre numéro 1 on a importé quoi les bibliothèques les bibliothèques c'est grâce à les bibliothèques ces bibliothèques là qu'on va y, euh, intervenir avec les widgets et les widgets c'est eux qui va découvrir la chambre nanana, nanana. c'est comme vous étiez en plombier vous voyez ce que je veux dire donc un mec voilà il va faire le décor tout ça etc dans la chambre il lui faut euh, des, 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 des trucs les gars il faut des trucs pour découvrir et tout ça les machins vous voyez ce que je veux dire en gros c'est ça là maintenant on utilise route route qui est le sol donc comme tout à l'heure l'exemple route c'est grâce à ça donc on va monter les les murs et que ah, pour que euh, la maison soit ok, soit au calme, soit propre, ça soit ah, soit ouf, les gars, c'est ça. Donc, route, title fenêtre de connexion ou géométrie, c'est à dire que voilà, on doit de... on a mis au donc on peut pas, genre, à la fenêtre ou bien diminuer, on peut juste diminuer la fenêtre comme ça et minimiser ou plus ou plus plutôt minimiser la fenêtre, mais on peut pas grandir la fenêtre, tout ça, les gars, donc c'est false, false, voyez, right? ensuite root, config, background, config c'est à dire que voilà, pour la couleur dont vous voyez tout à l'heure, c'était ça les gars, la couleur dont vous voyez tout à l'heure c'était ça, donc déjà je sais que voilà, vous dites ok, bon c'est bien beau c'est bien belle, bon qu'est-ce qui se passe après, qu'est-ce qui se passe après les gars c'est toujours, c'est toujours ok, c'est toujours le cas voyons, voyons ça de plus près par exemple, on va faire un copy paste de toutes les choses que vous voyez là ici par exemple nous euh, on va pas genre ça c'est ajouter les boules, OK OK ajoutons les titres on va dire copie voilà chambre ma chambre c'est-à-dire la chambre numéro 1 voilà. Et aussi, il y a un petit truc que je voulais vous dire, les gars, c'est important de mettre les commentaires. Regardons ça ensemble. Voilà en le cas avec JB25, c'est grâce aux commentaires. Là maintenant, je peux aller dans me connecter. Ensuite, je prends ces parties-là et je peux vous expliquer. Donc en gros, c'est ça. C'est les détails, les gars. C'est les détails, les détails. Parce que moi, je veux quoi Moi, je veux que voilà. Même si... Moi, je sais que voilà, dans, dans un mois ou deux mois, il y en a beaucoup, voilà, qui sont là, qui vont partir en fait qui vont partir mais ça va pas me choquer c'est déjà pour moi c'est ma fierté en fait je sais déjà quand vous partez c'est parce que ce que vous voulez euh, et, et vous voulez genre euh, vous voulez auparavant vous l'avez eu là maintenant c'est l'heure de partir c'est l'heure de voilà de partager avec d'autres personnes oui, ce que je veux dire. Au contraire, ça me fait plaisir, les gars. Au contraire, ça me fait plaisir. Donc, voilà. Je sais que parmi d'entre vous, vous avez appris pas mal de choses. Et là, maintenant, vous êtes en train d'expliquer aux, 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 aux gens, ou du moins à, à des gens au, euh, dans votre quartier, tout ça, etc. Au contraire, ça me fait du bien. Ça me fait plaisir. Oui. Donc, même si après un mois vous êtes plus là, deux mois, donc voilà, euh, de temps en temps vous passez. Au contraire, le but même de la chaîne c'était ça c'est de former un maximum de gens, un maximum de personnes, et comme ça, eux en retour ils vont faire pareil. Donc c'est ça hein, l'importance, les gars. C'est pour cela il y a des vidéos où des fois j'arrive, je parle pas il y d'autres vidéos, j'arrive, je parle, les gars. Donc c'est ça. Donc regardons, on a vu les bibliothèques, ensuite la, ma fenêtre, et dans. dans c'était la bibliothèque. La bibliothèque, après le cœur, c'est-à-dire route, mène, exécute, voilà tout ça. Et ensuite, les décos, c'est-à-dire pour décorer euh, les murs, tout ça, etc. La, les dimensions, nanana, vous voyez. Et puis voilà, le titre, donc, etc. Maintenant, on va ajouter les petits détails, les petits détails en plus. Je peux dire les petits détails en plus. Donc, ça c'est quand je vous dis les petits détails en plus c'est au niveau d'une vraie chambre d'une vraie chambre mais là comme là c'est une application donc regardons ça de plus près c'est une application donc c'est avec euh, avec euh, avec la liaison de, de, de monsieur jacques qui avait l'idée de construire sa maison sa propre maison donc regardons ça de plus près par exemple pour ajouter pour ajouter l'utilité c'est à dire que voilà euh, vous voyez ici là comme je vous avais dit, route c'est comme le sol de la maison, c'est très important. Vous allez voir que voilà, dans tout tous tout, tout les marchands, on va toujours utiliser route. Par exemple, on va dire LBL titre, ça c'est une variable, ça c'est une variable qu'on vient de déclarer. Donc c'est juste que voilà, à chaque fois on va faire appel avec cette variable-là, au lieu de dire label, route, nanana, pour faire les mêmes machins, on va créer une variable. C'est comme un surnom. Vous voyez Si, par exemple, moi, souvent, comme je dis, c'est Jean-Baptiste. Et je sur la chaîne, vous avez vu, donc j'ai mis JB295. Donc, voilà, en gros, c'est ça, les gars. C'est comme c'est ça les variables. C'est juste pour aller plus vite. C'est juste pour aller plus vite, pour faire quelque chose de positif. C'est ça, en gros les. LBL titre, les boules route, qui, est des, qui qui déjà c'est toujours le cas, le sol de la maison. Donc on va dire c'est ça. Donc et puis border ridge. Border ridge c'est quoi? Je vais vous montrer c'est quoi border ridge. Si les petits détails, attendez bien. Ok, on dit que voilà, ligne 36, arrière, gfg white, comment suis connecter. Euh, voilà, c'est juste que ça. Je vais que je vais l'enlever un peu. Je vais enlever ça un peu parce que normalement on n'a pas encore mis cette fonction là. Voilà, je pense que voilà, là maintenant c'est bon. Voilà, parfait les gars. Euh, on était où déjà On était dans la partie label site, Border Ridge. Border Ridge, euh, c'est ça. Vous voyez le petit, euh, les petits contours que vous voyez ici là. Border Ridge, c'est ça. C'est ça là les gars que vous voyez ici. Border Ridge. Et ensuite... Euh on a mis de dimension 3 par exemple si on veut mettre la taille 6 vous allez voir ensemble. nous allons voir ça ensemble ouais c'est plus euh, c'est plus genre tout à l'heure c'était c'était moins et là maintenant c'est plus grand les gars vous voyez les, les petits les contours c'est à dire euh, l'axe des x l'axe des que vous voyez ici c'est ça borderage donc on va redimensionner comme tout à l'heure euh, si euh, c'est là et puis voilà. C'était toi, ouais, c'était toi, hop là, voilà. Et puis ensuite, pour euh, pour terminer, ou du moins pour faire euh, le suivi, il y a les reliefs, les reliefs, il y en a plusieurs, il y a Soutien, il y, a, etc. Il y, a tant, il y en a tant d'autres, les gars. Donc, moi j'ai mis ce, ce petit truc là, c'était juste que voilà pour faire le, le déco. Donc, en gros, c'est ça. Après, il y a le texte. Le texte, c'est-à-dire que c'est pour, euh, pour mettre le cheat et qu'est-ce que vous voulez mettre, etc., etc. Après, il y a le fond, le fond, c'est normal. Et aussi, c'est toujours le cas avec 25 Quand je vous dis dans chaque vidéo, il y a toujours un petit détail. C'est qu'il y a toujours un petit détail. Rappelez-vous bien pour les fans de Python dans, le, dans les autres vidéos. J'avais mis quoi? J'avais mis une, une fonction que voilà, grâce à cette fonction là, je peux faire appel avec euh, en fonte c'est à dire un style, et directement c'était même pas la peine de rentrer tous ces machins. Ouais, je veux dire, c'est juste que je fais appel avec la euh, fonte et directement, et ça va intervenir avec euh, les fonctions que j'avais mis auparavant, C'est pour ça que je vous dis avec JBD25, il y a toujours un petit détail. Est-ce que vous voyez 25 là, c'est la largeur, c'est à dire euh, genre euh, voilà, je veux que voilà ma fonte soit, soit en mode 25, tout ça, etc. Dans Ensuite, background, donc voilà, ici, ici background c'est de couleur, telle couleur là que vous voyez, et puis foreground FG. Alors, ce sont des abréviations, donc FG c'est juste que voilà pour, euh, pour aller plus vite, comme tout à l'heure, c'était comme une variable pour aller plus vite, mais c'est pareil. Par exemple, si j'enlève en FG, ouais, vous allez voir ensemble, foreground, ouais, foreground c'est déjà. Ça va rien changer en fait. Ouais, ça va rien changer. FJ, BJ, tout ça, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle place. Les places, c'est là où vous allez placer le titre. Donc, vous voyez, sur l'axe des X, 0, l'axe des Y, 0. Je vais vous montrer le truc, l'axe des X. Regardons le cas, l'axe des X. Vous voyez le petit, le petit coin là. C'est ça, l'axe des X c'est de ce côté là c'est à zéro on, on l'a mis à zéro en fait zéro et l'axe des y vous voyez c'est en haut c'est tout en haut c'est tout en haut donc 0. Euh, et puis on a mis euh, le width, la largeur de 400 Alors, vous pouvez mettre euh, 450 ça dépend de vous les gars ça dépend de vous ensuite euh, voilà les dites donc en gros c'est ça il n'y a pas il y a pas grand chose il n'y a pas grand chose vous voyez donc encore une fois dans un premier temps il y a l'idée ensuite après l'idée, le plan, le plan, les détails. Après les détails, la base. L'élément le plus important, c'est les détails. C'est les détails que là maintenant, je vous explique. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, après les détails, il va y avoir les bases. Ok? Là je pense que voilà tout est ok donc pour ce euh, pour cette partie là il eh n'y ben, a pas grand chose à, à savoir donc voilà c'est toujours le cas donc voilà quel que soit vous allez coder une application c'est à dire moi je sais pas j'ai son de son de, euh, de cabinet d'intérêt dentaire j'ai de pharmaceutique je sais pas donc ça va être toujours pareil quand vous allez utiliser les titres donc voilà c'est les libaux, le sol donc, route tout ça etc des petits trucs comme ça vite fait etc non non non. non. Ensuite, euh, pour, pour, euh, au niveau de, au niveau, de, de entrée, au niveau des champs de texte, en fait. Au niveau des champs de c'est-à-dire euh, quand l'utilisateur va entrer les informations, c'est-à-dire hop, hop, hop nanana, nanana, là. Donc, je vais vous expliquer cette partie-là. Regardons ça de plus près. Par exemple, ici, LBL, comme je vous avais dit, c'est toujours le cas, LBL notre utilisateur, LBL route, le sol de la maison, tout ça, etc nom utilisateur font targetal bj voyez donc background foreground c'est toujours le cas lbl notre utilisateur on va placer ça donc l'axe des x l'axe des x c'est très important l'axe des y c'est à vous de placer là c'est juste que c'est pas c'est pas une calcul de ouf les gars c'est juste euh, math logique quoi math logique maths de base maths de base les gars ensuite pour les entrées c'est text notre utilisateur entry entry donc entrée entrée c'est-à-dire entrée c'est-à-dire c'est vrai au lieu de dire tout de, à chaque fois qu'on va utiliser l'entrée entrée l'entrée on va dire entrée route b bordure 4 bd là que vous voyez là c'est bordure font tout ça etc donc on crée une variable direct chaque fois on va faire appel on fait appel avec la variable vous allez voir de toute façon dans la fonction de euh, qu'on qu va mettre tout à l'heure à l'égard donc en gros c'est ça après on va placer euh, notre euh, notre entrée à côté de du nom d'utilisateur à côté du nom d'utilisateur vous allez voir ça ensemble nous allons voir ça ensemble ouais donc c'est presque à côté ouais c'est presque à côté donc le nom d'utilisateur on a dit que voilà on va décaler un peu sur l'axe des x de 5 cm je sais pas si c'est 5 mm comment on les mesure. donc ensuite on va décaler au niveau de, de ma fenêtre à peu près à, 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 de 100 mètres ou je sais pas, vous voyez donc c'est ça en gros euh, au niveau de la chambre toute euh, la chambre de Monsieur Jacques. Donc les les, les euh, euh... Les plombiers, ou du moins je ne sais pas, les, les machins-là, avec leurs maîtres, donc ils, a, ils, ils sont en train de, de planifier comment ils vont faire tout ça, comment ils vont placer tout ça, les machins, voyez. Ouais. En gros, c'est ça. C'est ça, les maîtres, tout ça, etc. La largeur, tout ça, comment, le design, ouais je veux dire. En gros, c'est ça. Ensuite, ça, c'est pareil, en fait. C'est pareil. C'est pareil pour LBLMDP, une variable. Ensuite, on fait appel avec euh, le widget label. Euh, et puis voilà, on, on va placer ça quelque part de 5 cm à côté l'axe des x et l'axe des y donc on va mettre 50 cm de plus ouais c'est 100 et là c'est 150 et puis pour la pour la largeur donc ça va être pareil et puis voilà 150 150 et puis pour l'entrée de et, 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 pour l'entrée de je me passe du passe directement on va dire etc mais il y a un petit truc que je voulais vous montrer par exemple on a mis ce qu'on appelle show show en fait c'est ça ça permet en fait de de de, de comment je peux dire ça c'est pas de en fait euh, c'est juste que voilà donc l'utilisateur va rien voir en fait va rien voir donc voilà c'est comme, euh, comme 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 c'est euh, comme euh, comment je peux dire ça j'ai pas l'explication là directement dans ma tête, mais c'est un petit truc que voilà donc personne ne peut voir. C'est comme une mot pass. de passe, non, dans tous les cas, c'est un mot de passe, dans tous les cas, c'est un mot de passe, mais c'est un petit truc. Voilà, même l'utilisateur qui sont peut, peut pas voir, donc voilà. Mais il y a d'autres fonctionnalités qui peut genre par exemple, vous voyez des fois dans, dans les parties de login, il y, y a un petit œil ça on peut cliquer directement hop ça et on peut voir donc le mot de passe si c'est quoi ou pas donc ça c'est une, une autre fonctionnalité donc personnellement je sais pas si dans d'autres vidéos je vais, euh, je vais vous ramener ça je sais pas c'est à vous les gars et ensuite euh, au niveau bouton de connexion donc pour connecter donc c'est ça donc on va faire appel avec un, un jet le jet c'est grâce toujours le sol le sol de la maison route c'est important il faut toujours le mettre vous voyez ce que je veux dire c'est grâce c'est gas sol donc les les les, les, plombiers, les marchands, les ouvriers. Donc voilà quoi. Ils vont construire les murs, ils vont construire la porte, les portes, les fenêtres, les marchands, tout ça. Vous voyez, les portes et les murs, ce sont des widgets pour le langage Python. Ce sont des widgets, tout ça. Donc les boutons, vous voyez, les portes je peux dire ce sont les boutons donc pour passer de tel pote à tel pote on va utiliser les boutons donc pour passer telle action tout ça on va utiliser les boutons ouais ce que je veux dire en gros c'est ça c'est une variable et grâce à cette variable là tout ça on va faire appel avec la widget le widget et directement on va utiliser toujours le même son le route on va dire tx connexion fonte et puis background foreground ensuite on va placer notre bouton et directement on va décaler au niveau de la des x euh, vers 150 cm /mm, ou bien millimètres ouais je veux dire et ensuite au niveau de l'axe des y on va décaler ça à peu près euh, à peu près genre euh, attendez un moment à peu près hop là à peu près euh, de 200 de 200 et ensuite la, la largeur tout ça etc maintenant pour le bouton on va passer notre commande on va mettre la commande euh, commande voilà ça c'est le bouton voilà ajouter ajouter ouais voilà c'est ça maintenant ça c'est ça c'est déjà pas mal voyez ouais. premièrement il nous faut quoi il nous faut l'idée le plan après le plan les détails les détails après la base maintenant les détails c'est 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 très très important c'est ça voilà là maintenant je vous explique ensuite ça va être la base ouais, je vais dire. donc maintenant pour terminer avec les détails donc on va prendre la fonction euh, la fonction de, de de se connecter donc voilà ensuite on va faire un copy-paste contrôle c chambre voilà alors il y a un truc que voilà personnellement tout à l'heure je vais vous expliquer euh, je vais vous expliquer un, un petit détail un petit détail je vais vous expliquer ça alors, pourquoi ici euh, je mets plutôt euh, mes fonctions en dehors de, c'est-à-dire plus précisément en dehors, c'est-à-dire euh, avant même le, le, le sol En gros, en gros, euh, prenons le cas au niveau de, euh, de la maison de M. Jacques, prenons le cas, alors c'est comme euh, par exemple quand la personne va rouvrir la porte, la personne est, est à l'extérieur en fait. C'est à l'extérieur, la personne bien avant qui rouvre la porte, il y a ce qu'on appelle les poignets. Les poignets, c'est les commandes, hop là, ça est là, je veux entrer, ouais, ce que je veux dire, c'est les poignets, hop là, donc la personne va, va tenir le poignet directement, il va, va s'ouvrir la porte, en fait, il va ouvrir la porte, ouais, ce que je veux dire, en gros, c'est ça, c'est les commandes, en fait, les commandes, c'est pour cela, on met toujours, on met souvent, plus précisément, donc euh, les commandes en dehors de route, c'est-à-dire en dehors du, du sol de la maison, euh, ouais, route, euh, pendant les cas, souvent on l'utilise donc pour décorer la maison, tout ça, donc voilà, c'est ça, mais au niveau de cette fonction là c'est euh, à dire la fonction pour se connecter, donc c'est plutôt en dehors là je pense que l'explication est ok pour tout le monde, on va dire contre, eux. voilà, parfait maintenant, euh, pour la fonction pour la fonction, et cette fonction donc, dans cette fonction on a mis les conditions par exemple, bien avant de mettre ces conditions là on va créer une variable, et cette variable on va dire ok, sûrement le texte utilisateur comme je vous avais dit les, les les variables que vous voyez ici dans ajouter les titres c'est voilà c'est des surnoms ouais c'est des surnoms c'est juste que à chaque fois on va faire appel c'est pas la peine de dire euh, de dire par exemple texte d'utilisateur pendant les cas texte euh, ça c'était euh, texté nom d'utilisateur, donc c'est pas la peine de dire, voilà, label ou les machins c'est à dire, ouais, je veux dire, mais grâce euh, à des variables qu'on a pu déclarer donc on va faire appel, regardons TXT nom d'utilisateur, donc on va créer encore une autre variable, pourquoi afin que, voilà, dans les conditions, c'est pas la peine de dire TXT nom d'utilisateur .get égale espace donc voilà, afficher telle fonctionnalité Vous voyez donc reprenons le cas regardons ça ensemble de plus près TXT, nom d'utilisateur, dans la partie ajouter le titre, regardons ça, TXT, nom d'utilisateur. Et ceci, regardons bien, c'est entry, c'est pas LBL, c'est TXT, entry, c'est les entrées. Ouais. On va créer euh, une variable, et cette variable-là, donc c'est une sorte de chien. Hein? TXT, nom d'utilisateur, point get. Donc, point get, c'est en gros, c'est l'utilisateur même qui va entrer ses informations. C'est l'utilisateur même qui va entrer ces inf informations. Et ensuite, prenons le cas le surnom, c'est-à-dire la variable MDP, txt, md get encore. Et ensuite, on va passer les conditions if, c'est-à-dire surnom, la variable qu'on a pu déclarer tout en haut là. If surnom est égal. Ça, c'est les conditions donc voilà, dans tous les langages de programmation, c'est toujours le cas dans tous les langages de programmation. Par exemple, euh, surnom, le champ de surnom est vide et, et le champ mot de passe est vide. Donc, message box show donc etc. Il faut entrer les données. Il faut entrer les données. Alors, vous voyez, donc, comme au tout départ, là, on avait déclaré la bibliothèque, donc, from Tinker, import message box. Donc, ouais voyez, là, on vient d'utiliser. Donc, ouais voyez je veux dire. C'est comme, voilà, à l'intérieur de la maison, il va y avoir les plombiers, les, 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 les peintres, les, les graphistes, je sais pas, tout ça. Donc, en gros, c'est si ça, si les bibliothèques, c'est tout ça. Si les plombiers et les, les, les peintres, donc voilà. Toutes tout, tout les personnes qui vont décorer la chambre, en fait. Oui, c'est tous ces gens-là qui vont décorer la chambre. Prenons les cas avec les widgets. Donc tout ça, Tinker Import All. Vous je veux dire. Donc voilà ajouter les titres tout ça LBL titres ce sont des widgets tout ça entry, tout ça etc. Pour nos cas donc pour mes sidebox, donc on peut dire voilà ça c'est le ça c'est le pompier ou bien ça c'est la personne qui va terminer la chambre tout ça va dire ok bon voilà donc il faut entrer les données non, 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 non. Ouais, je veux dire donc après j'ai il y a les petits détails les petits détails c'est à dire que voilà à chaque fois que voilà il y a une erreur donc on va effacer les champs donc vous voyez txt mdp delete 0 donc aide txt notre utilisateur delete non aide donc on va faire un exemple ensemble donc regardons ça ensemble par exemple hop là hop là, là connecté erreur de connexion voyez donc il n'y a plus rien dans les champs de texte donc en gros c'est ça ensuite condition si c'est-à-dire si que notre utilisateur est vide et le mot de passe est vide, donc message box, tel, telle information directement. Et si que, supposons que, vous voyez, je veux dire, si que sur mon admin et mdp admin, donc message box va dire bienvenue, txt notre utilisateur delay. Toutes ces informations-là vont être effacées dans les champs. Et vous voyez, comme dès le départ, je vous avais dit, il y a, il y a la fonctionnalité, ou du moins c'est la bibliothèque cal, tout ça, etc. On, on a pu détarrer dès le départ, là donc voilà. On va faire rappel avec, on va dire Python. Donc voilà pour bien dire que voilà. On utilise le langage Python, tout ça, etc. Menu principal. Donc le menu principal, donc c'était ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on qu va faire? On va plutôt dire que voilà pour terminer, on va mettre un chambre, 3, chambre 2, chambre 2. Ça c'était chambre 1, et là c'est chambre 2. Ouais, je veux dire en gros, et là maintenant route destroy c'est à dire que voilà c'est bon et merci beaucoup au revoir on n'a plus besoin de temps euh, la fenêtre euh, la chambre 1 euh, la chambre 1 on a terminé c'est à dire que voilà vous voyez tous les éléments là ceci c'est tout une ensemble de processus donc donc pour terminer la chambre numéro 1 vous voyez il y a les peintres les graphistes les les, les plombiers et tant d'autres éléments donc pour terminer la chambre après au final on va toujours toujours faire appel avec le sol c'est à, à dire comme dès le départ je vous avais expliqué route donc voilà, merci, au revoir. Et puis on passe à la chambre numéro 2. Ouais, donc tout ça, c'est un ensemble de processus pour monsieur Jacques. Et pourquoi monsieur Jacques Parce que normalement, il a d'argent en fait. Il a l'argent, il veut construire sa maison. Pourquoi pas. Ouais, je veux dire, en gros, c'est ça. Je pense que tout le monde est ok là pour cette partie. Ouais, c'est les petits détails, dans ça ensemble, tout ça, etc. N'hésitez pas. C'est pour ça que je vous dis les gars, n'hésitez pas à partager un max partager de vous abonner de vous abonner si vous n'êtes pas encore avec jb 25 c'est carré les gars donc là déjà vous savez déjà quoi faire les gars déjà pour commencer les débutants vous savez déjà quoi faire donc vous savez déjà qu'est-ce qu'il vous faut dans un premier temps il vous faut l'idée après l'idée il vous faut quoi il vous faut euh, le plan après le plan les détails les détails c'est tout que c'est tout ce que vous voyez dans les détails c'est plus important, il vous faut quoi Il vous faut importer les, les éléments essentiels, c'est-à-dire les widgets, tout ça, etc. Vous voyez ce que je veux dire Les widgets. Et ensuite, il vous faut placer telle chose, telle manière, de telle façon, etc. Nanana. Vous voyez ce que je veux dire En gros, c'est ça. Et au final, et au final, c'est la base. ouais C'est la base. C'est dans, dans, dans la dans la chambre numéro 2. On va voir la base ensemble. ouais Donc, en gros, c'est ça. Là, j'espère que tout le monde est OK. Donc, là, ça, ça c'est une explication au niveau de, au niveau de l'engagement. Là, maintenant, je vais vous expliquer, euh, je vais vous donner une autre, euh, explication au niveau de, c'est-à-dire autour de vous, au niveau, pour le cas de, de la maison de Monsieur Jacques. Donc, goût monsieur jacques il avait l'idée de construire sa propre maison il avait fait appel avec euh, voilà euh, il a fait appel avec un architecte l'architecte lui donne le plan à ça et monsieur jacques est ok donc après le plan donc l'architecte en question qu'est ce qu'il va faire il va faire appel avec euh, des, 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 des plombiers des des peintres des décorateurs des, 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 des je sais pas tout ça etc il va dire ok donc voilà voici le plan donc voici les détails. Donc c'est à vous les gars de habiller. donc Je, je parle de décorer la chambre numéro 1, la chambre numéro 2, la chambre numéro 3 de telle façon, de telle manière, grâce aux détails. ouais ce que je veux dire Avec les détails. C'est très important. C'est très important. Et maintenant, les et, 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 l'architecte qui fait appel au, au, au graphiste, c'est-à-dire après au graphiste. Euh, et euh, au plombier, euh, les, les marchands comme ça, au peintre, tout ça, etc. C'est les bibliothèques. Ouais? C'est les bibliothèques qui, va, qui, qui en sorte qui va directement découvrir la fenêtre. C'est eux qui vont faire les, les taffes. Ouais? Et au final, c'est eux encore qui vont dire Ok, ça y est, la classe, ou du moins la classe numéro 1, ou du moins la chambre numéro 1 est ok. Donc, est-ce qu'on peut passer directement dans la chambre numéro 2 Là, moi, moi, écoute, écoute, là, là, les gars, Là les gars, si que voilà, vous me dites que voilà, il y a un petit truc, ou bien, je ne sais pas moi, il y a un petit détail que vous ne comprenez pas, là, ce n'est pas de ma faute. Hein? Soyez en clair, les gars, soyez en clair. Parce que là, de, je vous explique de deux façons. Encore une fois, je vais vous expliquer. Pour surtout les débutants. Même aussi les programmeurs, là déjà, vous savez, dans le 95 il y a les arguments essentiels. Ok, bon bref, pour les débutants. Les débutants, il nous faut quoi C'est l'idée. Je sais que les programmeurs qui ont l'habitude de programmer, ils ont des bases d'idées, des idées de ouf. Donc voilà, ça fait partie. C'est aussi pour vous, mais bon, ça est. OK, les débutants, il vous faut quoi Il vous faut l'idée. Vous allez faire quoi après l'idée Vous allez créer le plan. Dans le plan, vous allez détailler après les détails. Après les détails, qu'est-ce qu'il vous faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire Après les détails, il vous faut une base. Parce que normalement, c'est une application du côté de serveur. Vous voyez L'idée, 1, hein? Deuxièmement, le plan numéro 2. Et troisièmement, les détails. Les détails. Et c'est grâce aux détails là, vous allez convaincre le client. Et quatrièmement, pour terminer, c'est la base. Vous voyez? Et le plus important, c'est les détails. Les détails, donc, c'est grâce à eux. Là-dedans, vous allez trouver des arguments. Et aussi, là-dedans, vous allez découvrir. Les, et, 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 la fenêtre en question, la classe en question. Ça, c'est l'explication de façon programmeur. Maintenant, pour mieux comprendre de façon euh, naturelle, je vous dis quoi Monsieur Jacques, il avait l'idée de créer, ou du moins, il avait l'idée de construire sa propre maison. Il fait appel avec un architecte, il fait appel à, à, à un architecte, il fait appel à un architecte, et l'architecte, il arrive avec un plan. Et Monsieur Jacques, c'est le client. Ouais, je c'est le client. Il fait appel à vous et vous vous avez, euh, et vous vous et lui rapporte ou du moins, je sais pas, euh, vous lui dites que voilà, voici un plan. que ouais, je veux dire, voici un plan. Et là, M. Jacques est d'accord avec vous. Maintenant, avec le plan, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez faire appel à des gens. C'est-à-dire que ces gens-là vont découvrir les chambres de telle façon, avec les détails explicites sur le plan. voyez, Et ces gens-là en hein, question, ce sont des bibliothèques les Bibliothèques, voyez, oui. et au final, et au final, regardez bien, et au final, donc c'est ces mêmes personnes Ils vont dire, Ok, c'est bon. Maintenant, c'est bon. On va passer dans la chambre numéro 2. Je pense que voilà, les gars, c'est bon. C'est bon. Donc, euh, maintenant, prenons le cas avec euh, la chambre numéro 2. On va faire quoi? On va créer notre euh, fichier Python chambre numéro 2. Chambre 2. Voilà. Hop là, point five. Parfait les gars. Parfait, 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 parfait. Ça, on n'a plus besoin. Ok. Ça aussi, je pense qu'on n'a plus besoin. Voilà. Prenons le cas avec la chambre numéro 2. La chambre numéro 2, là maintenant, elle est vide. Vous voyez Maintenant, pour la chambre numéro 2, c'est toujours les mêmes processus. C'est-à-dire que voilà, on va faire appel avec les et c'est pas les arcités. On va faire appel avec les plombiers et les peintres. Tout ça, etc., les décorateurs, tout ça en gros, c'est ça donc en gros, c'est les bibliothèques et aussi, comme on va faire un copy-paste, c'est la base des bases en fait, c'est la base des bases, bien avant de construire, ou du moins, bien avant de bien gérer la chambre, c'est la base des bases, ok. Et ensuite, comme tout à l'heure, je vous avais dit que voilà, ou du moins, dans, dans le poste, je vous avais dit que on va servir avec MySQL Connector, donc voilà, on fait rappel avec lui aussi, oui, je veux dire, avec la base la base de données vous voyez là on vient porter ça vous voyez en gros c'est ça maintenant après les bibliothèques à importer donc si on était dans une salle là je sais que voilà il y allait avoir des gens qui allaient me dire ok et je sais déjà qu'est ce qu'il faut importer d'après vous qu'est ce qu'il faut importer il faut importer maintenant c'est pas c'est même pas importer ou du moins il faut créer plutôt et, et um, le cœur le cœur c'est à dire qui va exécuter l'exécuteur exécu même donc Directement, on va chercher ça. Hop là. Vous voyez l'exécution. Ça est. Hop là. On va faire un contrôle c Bon, voilà. Donc, après, pour ceux qui nous suivent attentivement, les gars, donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Vous créez la fenêtre. Il faut créer la fenêtre. Donc, voilà, on va chercher la fenêtre. C'est pour cela, que je vous dis, les, les commentaires, c'est très important. Vous voyez Donc, les commentaires, c'est très important. On va chercher la fenêtre. Vous voyez Hop là, ça est. Hop là. On va faire un copie. Hop là. Copie. Voilà. Voilà. Parfait. Vous voyez, déjà, on peut exécuter le programme. On peut exécuter la chambre numéro 2. Vous voyez, la chambre numéro 2, menu principal. Vous voyez ce que je veux dire En gros, c'est ça. Donc, encore une fois, dans la chambre numéro 2, on a fait appel avec les plombiers. Les, les peintres, les graphistes, etc. Et aussi avec la base de données. La base de données. Maintenant... Après avoir fait appel avec ces gens-là, donc on va dire Ok, voici le plan, les gars. Donc maintenant, il y a le sol, on va construire les murs, tout ça, etc. Les couleurs, on va donner à l'intérieur. Donc si on va rendre ça disible ou resizeable, tout ça, etc. Donc on va faire un genre, on va communiquer avec le sol parce que c'est le sol qui va retenir les murs, tout ça, etc. Tous les machins. Vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, pour la base des bases, c'est genre et, et, et c'est le une sorte c'est en plus qu'on vient de mettre dans la chambre numéro 2 voilà ce que je veux dire en gros c'est ça donc voilà c'est la partie d'exécution tout ça etc maintenant après avoir fait appel avec les bibliothèques donc mais après aussi créer notre fenêtre et ensuite la partie d'exécution pour exécuter le projet pour voir comment ça comment ça est qu'est ce qui se passe réellement est si tout est ok maintenant qu'est ce qu'il qu nous faut Là, déjà, je pense que voilà, tout le, tout le monde le sait. Il nous faut quoi Il nous faut les, 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 les détails encore. C'est grâce aux détails, comme souvent je le dis, c'est grâce aux détails. Donc, on peut convaincre le client. On peut dire au client que voilà, si vous utilisez eh, eh, mon logiciel, donc ça va vous aider dans telle façon, dans telle sorte, etc. Vous voyez ce que je veux dire En gros, c'est ça. Donc, on va chercher les détails. Les détails, c'est quoi Les titres, les fonctionnalités là où l'utilisateur va rentrer les machins, etc. Nanana, nanana. Donc, par exemple, ajoutons des titres. On va faire étape par étape. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tout, tout sélectionner. Non, non. On ne fait pas ça nous. On va, on va faire étape par étape. Par exemple, prenons le cas avec le titre. CTRL V. voyez? Ouais. Donc, on va exécuter pour voir. Même si je l'ai déjà expliqué dans la première partie, mais bon, regardons ensemble, regardons ça ensemble. Je suis en note des étudiants. Vous voyez En gros, c'est ça. Donc, tout à l'heure, je vous avais expliqué ça là, ce sont des variables. Au lieu de faire appel avec les boules, etc. Nan nanana, on crée une variable directement. Ensuite, on met les, import les éléments essentiels à l'intérieur. Ensuite, on va placer ces éléments-là. Donc, de façon que voilà, notre chambre soit très, très, très belle. Vous ce que je veux dire? En gros, c'est ça. Et ensuite, après le titre, c'est-à-dire pour savoir que voilà, on est on est directement dans la chambre numéro 2. C'est pour cela on a mis le titre principal, c'est-à-dire J'y son des notes des étudiants. Sinon, euh, citer, ça allait être, ça allait être euh, chambre nu bon, numéro 2, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, c'est ça. Et ensuite, les détails pour les élèves, c'est-à-dire matricule, nom, sexe, classe et, et matière, notes. Et euh, voilà. Donc, qu'allons-nous faire, qu allons -nous, faire Nous allons faire ça étape par étape afin que voilà, vous, vous, vous mettez sur pause afin que vous voyez eh, correctement. Donc, on va prendre eh, matricule le nom. OK. On va prendre eh, nom, prénom, matricule. On va faire un copie, copy-paste. Hop là. Vous voyez. Voilà. Là, vous pouvez mettre sur pause et regardons ça ensemble. Donc regardons ça ensemble. Détail des élèves. Matricule. Comme tout à l'heure, je vous ai expliqué les variables qu'on vient de déclarer, les boules, tout ça, etc. Les widgets. Et les widgets, c'est grâce à quoi les gars C'est grâce à, à les bibliothèques qu'on avait importées dès le départ. Donc pour la chambre, donc qui est en train de construire pour Monsieur Jacques. Donc, les 10 coups que maintenant, donc tout ce qui se passe à l'intérieur de la chambre, c'est grâce aux ouvriers, c'est grâce aux plombiers c'est grâce à, à, aux électriciens, c'est grâce à tout ça grâce à eux, c'est-à-dire les bibliothèques, ouais, les widgets, tout ce qui se passe, c'est eux avec les maîtres, leurs maîtres qui vont placer tel, tel objet à tel endroit, tout ça. Donc nous, à, au lieu d'utiliser les maîtres, on va dire plutôt place, label, place touch, etc. Donc je pense que là c'est bon. Donc on va exécuter, vous allez voir ensemble. Donc vous voyez, déjà c'est pas mal. Donc directement, on va chercher les autres. Ensuite, on était, euh, voilà, à prénom, dans le prénom. Ensuite, on va prendre le sexe sex, classe, matière, voilà, jusqu'en matière, hop là, contrôle C, voilà, ces, ces éléments-là, c'est toujours le cas, comme tout à l'heure je vous avais expliqué, mais ne vous inquiétez pas, s'il y a d'autres détails, moi personnellement, je vais vous expliquer. Maintenant, regardons ça de plus près. Il y a la partie de sexe. La partie de sexe, en fait, moi, je viens de déclarer, j'avais déclaré une variable. Donc, dans cette variable, j'ai mis euh, ce qu'on appelle string var. Grâce à string var, en fait, à chaque fois, l'utilisateur va cliquer sur le bouton masculin. Donc, il va, il va nous donner une valeur. Et la valeur, qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur Donc, on a mis c'est m exemple pour le masculin pour le féminin on a mis f donc grâce à cette variable là ou du moins c grâce à cette, ou plus précisément grâce à cette valeur là donc on va c'est on va directement dans la fonction euh, qui va être genre modifié ou bien supprimée au lieu de féminin, c'est à dire le texte que vous voyez ici qui va s'afficher dans la base de données mais plutôt la valeur de la valeur que ici on avait déclaré ici donc c'est cette valeur là qu'on va voir directement dans la base de données mais après il n'y a pas grand chose c'est toujours le cas toujours le seul la maison route c'est plus précisément radio bouton des widgets grâce aux bibliothèques qu'on a importé tout au tout, tout au bout là ah. ensuite texte texte masculin etc value m donc valeur Vous voyez les values là c'est grâce à ça et ensuite indi, indication 0 tout ça etc donc c'est pour dire que voilà donc à chaque fois voilà l'utilisateur va cliquer on va voir ça ensemble vous voyez, donc il y a ce qu'on appelle euh, le petit élément là c'est quoi déjà genre euh, on rentre c'est comme euh, en java on appelle ça togo togo button togo button un truc comme ça ouais un truc comme ça togo button mais ici en python je sais pas c'est quoi son blaze mais euh, si c'est un truc comme ça donc voilà retenez ça bien les gars c'est très important et puis voilà à la fin c'est font background et foreground voyez right? ensuite on va placer ça convenablement on va décaler sur l'axe x l'axe y ensuite pendant les cas c'est ainsi de suite right? donc il n'y a pas grand chose donc dans la chambre numéro 2 euh, dans un premier temps on a fait appel avec les bibliothèques et ensuite après on va dire que voilà on va mettre en exécution route main loop c'est-à-dire le sol on va mettre on va construire le sol d'abord après pour la chambre en fait voilà ce que je veux dire pour pour monter les murs il nous faut euh, le sol donc ensuite après le sol et il nous faut euh, la, les, les dimensions les dimensions de, de, de la chambre c'est-à-dire euh, l'axe des x 1350 l'axe des y tout ça on va placer ça soit au milieu tout ça etc donc si on veut rendre la fenêtre sizeable ou, ou pas on a mis false false et ensuite background la couleur générale et ensuite voilà les gars donc, vous voyez, donc en gros. Et ensuite, il y a les détails. Les détails, c'est-à-dire les détails de la chambre, tout ça, les électriciens, il y en a qui vont placer les câbles, tout ça, etc. Les plombiers, etc. Les gars. Donc, je pense que voilà, tout le monde est OK. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut Il nous faut, il nous faut euh, la, la partie note. On n'a pas pu. en... Hein, voilà, hop là, CTRL-C. On va dire ça ensemble dans les détails. Hop là, CTRL-V. Voilà notes etc donc c'est toujours le cas venons une pause mais une, mais 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 la vidéo se pause comme ça vous allez euh, voilà directement copier cette partie là ou du moins bien maîtriser cette partie là donc voilà là maintenant avec les explications c'est déjà pas mal les gars c'est déjà pas mal après on va intervenir avec les boutons les boutons les gars et ensuite voilà passons directement euh, dans la partie euh, des boutons par exemple, on va prendre les, ces parties-là, hop là, c'est pour cela, que je vous dis, les, les commentaires, c'est très important, les gars. Maintenant, pour les boutons, c'est grâce toujours, c'est grâce aux bibliothèques qu'on avait importées, c'est-à-dire avec ces bibliothèques qui a les widgets. les widgets, on va déclarer les variables, à btn enregistré bouton, donc toujours le cas route, toujours le cas, c'est très important. C'est le sol, c'est la base, euh, c'est la base de la maison de la chambre plus précisément. Donc voilà, de la chambre numéro 2. Et c'était pareil pour la chambre numéro 1. Donc voilà. Donc enregistré texte. Donc c'est les informations qui vont être directement affichées depuis le bouton. Font, etc. Donc euh, background, foreground et commande. La commande donc c'est ajouté. Et aussi dans la chambre numéro 1, je, je vous avais dit que voilà l'explication c'était... Euh, pourquoi pourquoi souvent la fonction euh, du moins ça, oui la fonction euh, la fonction des commandes sont toujours... À l'extérieur, euh, euh, c'est-à-dire à, à l'extérieur de TK, comme vous le voyez ici, route là, route là. En gros, je vous avais dit que souvent, quand la personne est à l'extérieur, donc pour ouvrir la porte, en fait, il faut une poignée. Et le poignée, c'est ça, les commandes, les commandes, les gars, c'est les commandes, tout ça, etc. Donc, c'est en dehors même. Donc, pour entrer dans la chambre, il faut les poignées pour ouvrir la porte, pour entrer, pour euh, voilà, ce qui se passe à l'intérieur de la chambre. C'est pour cela, souvent, c'est toujours à l'extérieur de, euh, de route, en fait, les gars. Je pense c'est l'explication idéale que je pouvais vous ramener, les gars, aujourd'hui. et Ensuite, euh, ensuite on va prendre la partie. Non, bien, on va prendre la partie table pour, pour voir qu'est-ce qui se passe réellement. Donc, voilà. On va dire ça comme ça. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. C'est étape à étape. Donc, voilà. Étape à étape. On va faire un copy-paste. Copie. Hop là. Ensuite, voilà. Voilà, parfait les gars, parfait, parfait. Maintenant, pour la partie table, table, la partie table. Ne vous inquiétez pas, les fonctions, on va, on va les prendre dans, dans pas longtemps. C'est juste que voilà, les explications, c'est plus important. Ne me dites pas où ouais, les paroles s'en vont et les écritures restent. Non, sur YouTube, les paroles restent, les, et, 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 les paroles restent, les écritures restent, tout reste, les vidéos restent. <laughs> ok, bref. Ouais. Ok, euh, en tête. L'entête, en fait, c'est comme euh, euh, dans, dans une fenêtre, il nous il faut les colonnes. Dans les colonnes pour différencier qu ce qui se passe dans chaque colonne. Donc voilà, Donc, on va dire ces matricules, nom, prénom cx class matière note donc on utilise souvent ending donc ça fait partie des bibliothèques qu'on avait importé donc le nom de la table donc ça fait partie les, les widgets donc depuis les bibliothèques qu'on avait importé donc on va dire c'est pour la colonne 1 la colonne 2 la colonne 3 la colonne 4 la colonne 5 la colonne 6 ainsi de suite maintenant pour définir les dimensions de la, des, des colonnes donc vous voyez donc c'est table colonne 1 donc, on va dire widget oui, » qui est la largeur de 50 cm ou je sais pas. Donc, tout ça, c'est les plombiers, les, les électriciens, les les pains, les tout ça qui vont décorer la, euh, la chambre de, de leur façon. Donc, euh, voilà quoi. Chaque personne va faire en sorte que, voilà, tout est OK, tout est exact. Vous voyez? Parce que normalement, ils avaient un plan. Le plan, c'est l'idée même de, 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 de M. Jacques pour construire sa maison et ensuite donc euh, l'architecte vient avec le plan avec les détails ensuite c'est eux qu en fait qui vont terminer et qui vont faire euh, la partie finale Ouais, en gros, c'est ça. Donc, voilà, table, colonne, tout ça, nanana, nanana, ainsi de suite. Ensuite, pour afficher les informations de la table. Donc, premièrement, là, on va intervenir avec la base de données. La base de données avec la bibliothèque qu'on avait importée. Voyez, ouais, en gros, c'est ça. Afficher les informations de la base. Là, on vient de créer une variable qui s'appelle ma base. Cette variable, cette variable, ça va être comment? Ça va connecter avec notre base de données, soit euh, d'autres bases comme SQLite ou plus, comme là on utilise. De toute façon, on va voir ça dans pas longtemps. mysql SQL Connector .Connect. Maintenant, ça peut y avoir, ça peut genre arriver que voilà cette fonctionnalité là, on, ça vous donne des erreurs. Ça vous donne, ça vous donne des erreurs. Mais ne vous inquiétez pas, attendez juste un instant avant de terminer avec cette explication. Et bien avant j'ai mis je vais vous je vais vous mettre quelques petits détails quelques trucs hein, très importants hop là voilà et vous allez faire en sorte que ça c'est les commentaires que voilà j'ai pris pour vous voilà je vais mettre ça tout en haut tout en haut comme ça vous met, vous mettez sur pause copy paste Je vais vous expliquer comment faire ensuite. Vous mettez sur pause, vous allez faire ça correctement. Alors, si que il euh, y a ça vous affiche des erreurs, donc c'est si que voilà, il reconnaît pas euh, euh, MySQL Connector. Donc vous allez directement dans euh, dans CMG, Donc voilà, vous ouvrez votre terminal, tout ça. Voilà, le terminal, c'est ça. Voyez ici là vous allez faire en sorte que bien avant de, 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 de mettre ces parties là de, de mettre cette partie là vous voyez ce que je veux dire donc vous allez directement prendre ce machin là hop là vous allez faire en copie voyez pour voir euh, vous allez faire un copie hop là vous allez directement déposer dans le euh, cas ici voilà coller hop là Attendez un moment. Ah. Un PC, peut-être c'est là. Non, non. Contre le V. L'orthographe, c'est pas correct. Euh. Là, 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 là. pas attendez un moment heureusement j'avais heureusement donc voilà je vais oh, ok ouais ouais <laughs> en fait euh... désolé les gars désolé désolé en fait c'est là en fait c'est ça c'est même pas là il fallait que, que je le mets en fait c'est depuis euh... le terminal je crois voilà c'est depuis le terminal contrôle v voilà donc, direct. En gros, euh, c'est là où se trouve, euh, se trouve euh, le fichier Python que vous utilisez. Par exemple, si c'est euh, Python 10, donc vous, vous allez mettre Python 10 ici. En gros, euh, pourquoi ça n'a pas marché tout à l'heure Du moins, ça a, donc, ça a affiché des erreurs. Donc, je vais vous montrer pourquoi. C'est parce qu'il y avait le CD à côté. Le CD à côté. Vu que CD, en gros, c'est pour dire que, voilà, je vais directement intervenir dans, euh, dans le... Euh, C'est-à-dire dans, 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 dans... Attendez. Dans... Dans la lecture, dans, dans le disque dur CD, ouais, c'est ça. Donc, c'est pour cela. Donc, ça m'a affiché des erreurs. Maintenant, je vais vous montrer. Est-ce que, voilà, normalement, ça devrait marcher. Hein. Ça devrait marcher normalement. Updata. Ici, attendez un moment. Normalement, ça devrait marcher. Je sais pas pourquoi ça marche pas, mais peut-être que. Attendez juste un moment vidéo euh, ouais ouais pourquoi pas ah non il faut que voilà. voilà ça devrait marcher normalement il faut que ça marche en fait contre lui Ah ok attendez un moment hum, attendez juste un moment c'était quoi c'était lequel programme hum, moi je pense que je vais faire un truc je sais pas si c'est ok c'est légal tout ça programme hop là je vais le mettre plutôt ici hop là on va voir qu'est ce qui se passe ctrl v Programme. ça et on va le faire comme ça nous on va toujours trouver des solutions ok local ça marche pas on va dans programme local programme ok on va juste voilà Ça marche pas d'ailleurs, hmm. les gars. On va rester en fait. Quand je vous dis on va rester là parce qu'il faut que je trouve euh, euh, l'élément essentiel en fait, les moments importants. Parce que normalement, si vous êtes là, c'est pour les explications. Vous voyez ce que je veux dire. Normalement, ça devrait marcher en fait. User, ok. Ah, ouais. Ah ouais, ok, ok, ok. Comme je vous avais dit, avec JB295, c'est toujours carré, c'est toujours carré. Ouais, ce que je veux dire, JB295, il est là, c'est pour vous expliquer, c'est pour vous expliquer, c'est pour vous donner des explications très explicites avec des arguments. Ensuite, vous, en retour, ces erreurs-là, c'est mort en fait. Et jamais dans vos vies euh, que voilà, vous allez faire ce genre d'erreur. De ouais, ah, ok. On était où déjà euh, Je vous avais dit ici si que normalement. Euh, si ça fonctionne pas pour vous, c'est-à-dire que voilà, MySQL Connector, il vous il vous faut les petits détails là. Donc tout à l'heure, on était en mode galère, les gars, pour trouver qu'est-ce qui se passe également Mais là, comme je vous dis avec jb 95 j'aime bien quand il y a des erreurs comme ça, je peux corriger avec vous et vous en retour Donc ces erreurs là, c'est jamais dans vos vies en fait. Vous allez faire en fait ces erreurs là. Donc voilà, c'est euh, au lieu de tout à l'heure là, là, le marchand là, les marchand qui voilà. Arrêté pas de faire donc regardez bien les gars si vous allez directement dans c'est à dire dans le local d'ex dans user et puis voilà le nom de, de votre pc là ouais c'est là vous allez directement dans jb295 moi c'est jb295 et puis voilà je vais mettre abdata local pour tout ça etc vous allez voir ça ensemble regardons ça ensemble au là ça devrait marcher normalement voilà on va fermer ça vous allez voir donc euh, voilà on va directement au là user donc local ici, on avait dit quoi c'était dans euh, utilisateur moi c'est en français jb 95 voilà donc et puis voilà je vais coller ça hop là ctrl v app data ça va être carré en fait je vais juste enlever ça voilà hop là voilà et puis voilà et puis voilà ensuite après ouais là déjà c'est le chemin même en fait c'est le chemin en fait donc il vous faut ce chemin là donc directement vous allez faire un copy-paste encore copy-paste ctrl c euh, donc pour faire un copy-paste plus rapide c'est en ctrl c et ensuite les gars donc vous allez directement dans votre euh, dans votre terminal euh, euh, vous voyez le, le, le bouton il y a le euh, avec euh, le symbole windows là où, où vous cliquez avec avec R et directement ça va vous afficher en CMD, euh, l'exécuteur là, tout ça. Vous allez écrire euh, CMD, vous faites OK. Et puis voilà. Et ensuite, vous faites CD. CD. Voilà. Vous faites un copy. Copy-paste. Euh, comme l'indiquait euh, depuis euh, le, les commentaires là, CD AppData, c'est plutôt ça, en fait. CTRL-C. Donc voilà les gars euh, voilà, CTRL-C, voilà, CTRL-V, voilà, et ensuite au final, donc vous allez donc installer my python Moi j'ai déjà fait, donc c'est pas la peine. Vous allez euh, copier, ou du moins vous, vous mettez sur pause, et puis voilà, vous tapez ça directement depuis votre terminal, et ça va être OK. Donc vous pouvez utiliser MySQL Connector. Donc c'était juste l'information que voilà, je voulais vous rapporter de plus concernant ensuite on était déjà dans la partie de, de la table donc on était dans le mode de, voilà pour définir les dimensions tout ça grâce au widget tout ça etc grâce aux bibliothèques les machins pour afficher les informations dans la base ma base donc on va faire appel avec mysql Connector.connect. donc c'est pour cela je l'explication tout à l'heure c'est c'est peut-être que voilà vous allez rencontrer la difficulté parce que moi aussi j'avais rencontré donc voilà c'est pour ça les gars et ensuite et donc, avec euh, la base de données de PHP Admin, donc euh, je sais déjà que vous savez quoi, quoi faire, les gars, concernant. Donc, euh, voilà, j'ai déjà donné pas mal d'explications. Donc, pour construire une base de données, c'est facile, les gars. C'est juste que, voilà, vous exécutez euh, ZAMP. Il y a d'autres personnes qui utilisent hein, ou bien uh, MAMP. Ça dépend, je sais pas. Donc, vous exécutez directement dans PHP Admin, Et puis, voilà, vous cliquez. Ensuite, pour créer votre base de données, c'est là Là, ça est vous, 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 vous écrivez euh, le nom de la base, tout ça, etc. Vous faites exécuter. Moi, je l'ai déjà fait. C'était notre élève, vous voyez donc voilà. Et ensuite, il n'y a pas grand chose, il euh, n'y a pas grand chose à retenir dans, dans cette partie là. Pourquoi je vous dis Parce que normalement, si host. Localhost user route, il n'y a pas de mot de passe au niveau, mais c'est à vous les gars si vous allez faire des projets euh, de ouf, donc il faut il faut mettre euh, un mot de passe. Normalement, c'est très important. Ça, c'est des explications plus élevées, plus hautes, parce que normalement, je pense qu'il y a dans, dans le mois suivant, donc il va y avoir des projets sur euh, le web tout ça c'est des... avec surtout le langage Java JSP et voilà les gars donc database le nom de la le nom de la table donc euh, voilà le nom de la table c'est ça hum, c'est notre élève voilà donc les informations, tout ça, etc. Code nom, prénom, sexe, classe, matière, etc. Donc voilà. Après ma base, maintenant, qu'est-ce qui... La variable, en fait, je crée une variable. Et cette variable, ça va faire quoi Ça va me permettre de connecter avec la, la madame base de données. Avec ma base de données. Donc... Après avoir connecté avec la Madame base de données, maintenant je vais créer une autre variable pour dire que voilà, et cette variable va, permettre, va me permettre en fait de manipuler la base. Grâce avec cette manipulation, je vais pouvoir passer des requêtes. Et les requêtes, ça va être modifié, affiché, supprimé. Vous voyez, dans un premier temps, j'ai créé une variable pour connecter avec la base de données. Ensuite, une autre variable pour me connecter avec la première variable que j'avais créé là dès le départ là, vous voyez, Donc grâce à grâce à avec la deuxième variable, je peux passer les requêtes. C'est comme une sorte de manipulateur en fait les gars. C'est ma base curseur donc vous voyez c'est ça que je vais utiliser pour passer les requêtes. Me connecter point execute donc c'est l'extra from note, vous voyez, Donc la table note. Ensuite pour afficher tous les éléments les machins donc vous allez voir ça ensemble c'est en condition c'est à dire une boucle for donc les colonnes wow, c'est à dire euh, une me connecte donc directement donc table insert donc le petit espace que vous voyez une value all. ma base donc il faut fermer la base de données ouais en gros c'est ça les gars c'est pas grand chose donc voilà dans un premier temps euh, on a vu quoi on a vu que voilà il faut importer euh, les, les, les bibliothèques donc pour nous les cas pour la maison c'est si les, euh, les peintres les graphistes les les plombiers, tout ça, etc., les électriciens. Et ensuite, après les bibliothèques, on a vu donc l'exécuteur principal, c'est-à-dire Après on a vu l'entête, l'entête il nous faut le sol de la maison donc pour dire que voilà on va monter les murs ensuite voilà etc donc voilà donc pour créer le menu principal la taille donc tout ça etc ensuite les détails c'est à dire pour bien placer pour bien faire les choses bien tout ça etc donc ajouter les titres, les détails tout ça etc les marchands et après maintenant pour les commandes la partie de commandes c'est à dire ajouter euh, on a déjà mis ajouter aussi, enregistrer, ajouter, c'est ça le commode. Ça va être maintenant les fonctions. Pour les fonctions, j'ai déjà expliqué pourquoi souvent j'ai mis en dehors des fonctions, en euh, dehors même de, de la surface, c'est-à-dire de ma fenêtre. C'est parce que et Prenons cas avec l'exemple de la chambre, quand la personne va entrer, souvent la personne est souvent à l'extérieur, donc pour entrer dans la chambre numéro 2. Donc en gros c'est pour cela, souvent on utilise cette fonctionnalité là. Maintenant on va prendre toutes les fonctions, euh, les fonctions, c'est-à-dire ajouter et supprimer, modifier, etc. On va faire un copy-paste. Voilà. copie Voilà. On va directement tout en haut. Voilà, CTRL V. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer, ou du moins je vais vous expliquer en détail. Maintenant, prenons le cas avec le bouton ajouter. Maintenant, vous voyez, donc regardez bien, bouton ajouter, enregistrer, donc vous voyez, commande ajouter. Directement, on va directement dans, dans cette fonction-là. Donc, euh, voilà ajouter maintenant div, donc ajouter toujours les variables pour dire que voilà à chaque fois l'utilisateur va entrer les informations donc ces variables là vont récupérer ces informations là et ensuite on va connecter avec la madame, la madame base de données pourquoi parce qu'on veut enregistrer des variables du moins des éléments chez eh, eh, la, la madame base de données donc on crée une variable grâce à cette variable on va créer une autre variable pour récupérer la première variable qu'on avait créée qui avait euh, euh, le qui avait en question connectés avec la madame base de données donc pour en gros c'est une première variable pour connecter avec la base de données et seconde variable pour euh, c'est pour manipuler la base de données Ouais, c'est pour manipuler la base de données. Et là, la, la manipuler, c'est-à-dire c'est d'insérer des informations, d'enregistrer des informations, de modifier des informations et de supprimer des informations. Par exemple, pour nous, le cas pour ajouter, là, vous savez tout, c'est une requête, c'est un autre langage. Insert certain tool, donc try catch, c'est toujours le cas. Là, c'est pour cela que je vous dis, avec JB 5 il y a toujours les petits détails. Pourquoi Parce que normalement, dans les autres vidéos de Python, et surtout avec euh, la bibliothèque Tinker donc j'avais pas uh, mis trackitch dans les autres en fait là aujourd'hui j'ai mis trackitch c'est très important donc voilà les gars et puis voilà on va créer une variable encore une fois SQL insert into tour donc etc donc value tout ça etc et puis valeur donc les valeurs qui sont c'est tout ce qu'on avait déclaré, tous les éléments que l'utilisateur, l'utilisateur, donc voilà ces variables qu'on avait mis pour récupérer les informations que l'utilisateur va entrer directement, vous voyez donc c'est encore donc voilà. Ensuite la, euh, euh, la variable de manipulatrice, euh, la variable de manipulatrice qu'on avait déclaré donc directement on va exécuter donc euh, la requête, voyez la requête insert ensuite voilà les valeurs que l'utilisateur va rentrer avec les avec les variables qu'on avait déclarées, donc pour récupérer ces informations vous voyez ici ensuite ma base comique euh, dernier matricule pour dire que voilà je veux directement après ces informations là donc et, voilà le curseur va directement depuis euh, le code depuis le code du monde depuis la matricule et ensuite message box grâce à avec grâce aux, aux bibliothèques qu'on avait importé dès le départ message box vous voyez ici donc et ensuite pour terminer on va dire aussi route destroy c'est à dire ok vous pouvez actualiser la page pour moi merci et ensuite on fait encore appel avec le menu principal c'est à dire actualiser et menu principal au lieu de menu principal nous qu'est ce que nous allons faire on va dire c'est chambre 2 chambre 2 vous voyez en gros c'est ça euh, voilà il n'y a pas grand chose à retenir c'est toujours le cas mais avec j'dem que je vous dis c'est carré ça carré c'est carré les gars n'hésitez pas à partager un max voilà n'hésitez pas donc voilà pour soutenir pour soutenir jb de 5 n'hésitez pas à partager un max les gars vous voyez c'est énorme c'est énorme c'est ouf ce qu'on fait là les gars et ensuite voilà, except tout ça, exception, as et printf, En fait, ça, c'est des éléments importants pour les programmeurs, surtout. Par exemple, quand vous allez programmer, donc je sais que voilà, l'utilisateur ne va pas avoir ce genre de, de messages. Donc, c'est nous en question qui va avoir ces genres de messages s'il y a des erreurs. Donc voilà, donc on fait un rollback. Et puis ensuite, on ferme la base de données. Donc c'est pareil. Vous voyez, en gros, c'est ça. Ensuite pour la partie de modifier donc euh, bouton modification c'est toujours le cas pour euh, ajouter c'est juste les requêtes qui vont changer avec quelques éléments donc pour la euh, pour le bouton modifier donc ouais. donc on fait appel avec widget une variable qui déclare tout ça bouton donc le sol de la maison route c'est très important qu'on avait déclaré tout en haut là modifier font background foreground commande et puis on place directement on décale côté axe des x 250 cm ou, je sais pas au au niveau d'y euh, tout ça l'axe des x l'axe des y tout ça ensuite pour euh, les fonctions tout ça en gros c'est c'est toujours le cas comme tout à l'heure donc les variables qui vont va récupérer les informations que l'utilisateur euh, donc va entrer ensuite une variable pour pour connecter avec la base de données ensuite une variable de manipulatrice donc euh, cette variable là donc avec cette variable là on va euh, genre euh, et, et, et déclarer encore une autre variable et même pourquoi pas deux variables et avec la variable de manipulatrice on va exécuter donc la première variable dans le try -catch, et la seconde variable donc, dans val donc vous c'est un ensemble de variables un ensemble de processus tout ça etc. donc qui va, per qui va nous permettre en gros de passer ces requêtes là vous voyez ce que je veux en gros. Qu'est-ce qu'il faut retenir Il faut retenir les variables qui va récupérer. Écoutez-moi bien, si on tourne les débutants, il faut retenir quoi Il faut retenir les variables. Les variables que vous allez déclarer pour récupérer les informations que l'utilisateur va rentrer. Vous voyez, dans un premier temps, les variables que vous allez déclarer afin que ces variables-là puissent récupérer les informations que l'utilisateur va rentrer. Et, dans, dans, euh, et deuxièmement, une variable qui va connecter avec la base de données, c'est-à-dire en général, la base de données principale. Vous voyez ce que je veux dire, notre élève. Et ensuite, une variable de manipulatrice. Et cette variable, va c'est grâce à cette variable qu'on va et, et, et passer les requêtes. C'est grâce à cette variable-là des requêtes qu'on va exécuter. C'est grâce à, à elle, c'est la variable de manipulatrice qu'on appelle tout ça. Me connecte hein, ma base curseur et dans les exceptions, c'est toujours important pour les programmeurs. S'il y a des erreurs, il va nous afficher ça directement. Comme ça, nous, on peut voir là où se trouve l'erreur. Maintenant, une autre variable dans le try -cache. là, on va passer notre requête update, note, set, nom, etc. Et ensuite, une seconde variable dans la seconde variable, donc ça va être les variables qu'on avait déclarées dès le départ pour récupérer les informations que l'histoire avait entré, donc ensuite on va faire appel avec la, la avec la variable de manipulatrice pour exécuter ces deux variables là. Les débutants, les gens qui m'écoutent là, c'est les meilleures explications que personnellement et euh, vous pouvez trouver sur sur YouTube. Moi je les dis, ok, ensemble pour les boutons ou du moins pour interagir avec la madame de la madame base de données c'est à dire pour passer les requêtes etc il nous faut quoi il nous faut le widget bouton on déclare une variable avec les informations pour les widgets le bouton tout ça etc Vous voyez tout ça ensuite route c'est à dire très important le sol de la maison de la chambre et voilà tout en haut qu'on avait déclaré ensuite les informations pour afficher enregistrer les, les couleurs la, la taille etc ensuite on va placer à côté l'axe des x tout ça y etc les machins ça c'est ça c'est général maintenant pour la commande on va créer une fonction et dans cette fonction on va déclarer des variables des variables ces variables-là vont récupérer, vont, ou plutôt ces variables vont récupérer les informations que l'utilisateur va entrer. Regardons ça ensemble. Txt numéro get que voilà, on avait déclaré DLD par là dans les détails. Et ensuite, ces variables-là, depuis la fonction modifiée, on va les récupérer à la fin, mais avant, il faut connecter avec la base de données. La base de données, on va créer une variable ma base. Et grâce à ça, on va connecter avec la base principale. Notre élève que vous voyez ici. Et ensuite, une autre variable. Et cette variable, on l'appelle comment Nous, avec l'équipe de JB295, avec les abonnés, on, on, appelle, on appelle cette variable-là une variable de manipulatrice. Et qu'est-ce qu'elle qu qu va faire en fait Elle va nous permettre de passer des requêtes, d'exécuter des requêtes. Maintenant, Trycatch pour les programmeurs, pour l'équipe de jbl 95, pour les abonnés de jbl 95, Trycatch va permettre de faire quoi Va permettre en fait de le faire savoir que voilà, s'il y a des erreurs, donc il va afficher l'erreur directement là où se trouve. Maintenant, à l'intérieur de Trycatch, on va déclarer des variables encore une fois. Donc, dans un premier temps, une variable qui va passer la requête. Update, note, set, non, etc. Nanana. Ensuite, la seconde variable. Donc, c'est la variable, les, ou du moins, c'est les variables en général qu'on avait déclarées pour récupérer les informations. On va les mettre directement à l'intérieur de la parenthèse. Regardons ça ensemble. Ensuite, la variable de manipulatrice qu'on avait déclarée là. On va faire appel avec et puis ensuite on va euh, à, à on va récupérer les deux variables SQL et val à l'intérieur de la variable manipulatrice mais avec euh, 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 un ordre, c'est-à-dire exécute. Allez, passe pour moi ces, ces marchands là voilà, je veux dire? Ensuite, la même la même variable qui nous permet de connecter avec et, et, et la base de données on fait un commit sur elle et ensuite derrière dernier matricule mais connecter la route, tout à l'heure je vous avais expliqué et puis ensuite un message qui affiche information note modifiée et puis ensuite on va dire ok la fenêtre merci beaucoup fait une uh, actualisation et ça est, l'actualisation est faite ensuite pour terminer on ferme tout rollback close donc voilà, j'espère que tout le monde est OK. Hein? Tout le monde est OK. Donc au lieu de euh, menu principal, on va dire chambre 2. Chambre 2. Ensuite, voilà. Donc pour suppression. Là les gars, si, si on était directement dans une salle là où mais on était en live, c'est à vous les gars, il fallait, moi personnellement, j'allais supprimer cette partie de me dire qu'est-ce qu'il qu qu nous faut, les gars. Parce que là, les explications sont très très bonnes, très explicites. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Suppression, donc c'est je déclare une variable. Et puis, à l'intérieur de cette variable, je vais récupérer l'information que l'utilisateur va rentrer. Après, je vais déclarer deux variables. Une pour connecter avec ma base de données. Et la seconde, c'est la, var la variable de manipulatrice qui me permet de manipuler, qui me permet de passer des requêtes. Ensuite, je vais, euh, euh, je vais déclarer try-catch pour savoir s'il y a des erreurs pour m'afficher où se trouvent les erreurs. À l'intérieur, je vais déclarer encore deux variables. Ces deux variables, je vais, euh, je vais les récupérer à l'intérieur de la variable manipulatrice pour exécuter. Vous voyez SQL delete from noteware et ensuite vous voyez et le petit détail que voilà que vous voyez il faut toujours mettre sinon ça va vous afficher des erreurs et ensuite ma base en commit directement le commit dernier matricule etc comme tout à l'heure nanana chambre 2, et puis actualiser et puis voilà les gars c'est ça une application c'est ça une application après il y a d'autres détails donc c'est à vous de voilà de charbonner un peu de, de chercher vous voyez ce que je veux dire mais les gars moi, de base, je vous dis, il y a la vidéo, là, la vidéo de euh, formation pour les débutants. là. Même si vous êtes pour en programmation, je vous conseille d'aller le voir. Franchement, c'est des explications très, très bien, des explications à ne pas rater. Et pour cette vidéo aussi, c'est des, des explications à ne pas rater, les gars. Vous voyez Même si le micro, c'est le micro, ça, ça bug des fois, mais euh, écoute, il faut voir la vidéo. Mais sur pause, ensuite, rien, tout ça, etc. C'est des explications à ne pas rater. OK. Là, c'est la partie finale. Je pense qu'on va terminer. Mais bien avant de terminer, vous voyez. Donc, on va tester. Là, il nous dit, vous voyez, avec euh, le try-catch qu'on utilise souvent, c'est grâce à ça. Donc, il nous permet de dire que, voilà, il y a une erreur quelque part. C'est pour cela je vous dis, j'aime bien que, voilà, quand il y a des erreurs. Donc, il nous dit que, Python, maison, chambre D, line 177 nd table and text made. name table is not definite alors alors il nous dit la ligne 117 la ligne 117 voilà module qui okay, matricule ok là il nous dit que voilà on n'a pas déclaré euh, notre table en gros je pense c'est ça la table voilà ok est-ce que voilà, je pense qu'on n'avait pas déclaré. Est-ce qu'on avait pris tout euh, on avait pris tout normalement? Modifié table. Ouais, voilà. Et voilà, c'est vrai. C'est vrai. C'est tout à fait, je crois. C'est tout à fait, je crois. Et normalement, en tête, voilà, on n'avait pas on n'avait pas pris. ouais, en gros, c'est ça. Donc, en gros, c'est TTK Triview. Trivio en fait, je ne sais pas si vous aussi, vous faites partie de la team de Java. J'avais expliqué ce qu'on appelle les scroll pins. En fait, les scroll pins, on avait vu avec le langage Java. Donc, on est scroll pins avait fusionné avec la table afin que voilà. Donc, à chaque fois, il y a beaucoup d'informations. Donc, on peut draguer en fait. Donc, en gros, le TTK que vous voyez là, c'est une sorte de fusion. Donc, le TTK avec. Et attendez ttk treview ou tout ça colonne de high tout ça etc donc c'est une sorte de fusion donc la table il va fusionner avec le trivio donc pour bien gérer les, les, les éléments qui vont directement placer dans la table là normalement donc vous regardez ça ensemble voilà c'est pour ça que je vous dis avec 25 regardons ça ensemble malgré les explications il y avait une erreur en fait donc moi j'aime bien quand ces erreurs là parce que normalement vous après donc, vous, donc voilà ces heures-là. Jamais dans vos vies, vous allez faire ces heures-là. Donc voilà, on, on va exécuter ensemble. Donc ça va être pareil. ouais parfait. Donc on peut enregistrer. Par exemple, on va enregistrer 11. Alors, euh, jb 95 masculin. Bon, on peut dire qu'on est quatrième. On, on a... Ok, bon, matière programmation Donc, on va, on va dire 70, quoi. 65, 70. On va pas exagérer aussi. Voilà, note ajoutée. Voyez ouais, en gros, parfait. jb 95 masculin, quatrième, programmation, 70. Voyez ouais, en gros, c'est ça. Donc, euh, avant de terminer, les gars, bien avant que voilà vous partez. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas, c'est la phase finale, c'est très important. Ce que je vais vous dire, les gars, avant de terminer. Écoutez-moi bien. Pour les débutants, encore une fois, qu'est-ce qu'il nous faut Donc, je vais, je vais sélectionner cette partie aussi. Qu'est-ce qu'il nous faut Il nous faut l'idée. Après l'idée, l'idée, en gros, c'est de trouver des, des problèmes et, et ces problèmes-là, vous allez trouver des solutions. C'est ça l'idée. Ouais. Trouver des problèmes et trouver des solutions. C'est ça l'idée en question. Bon, bref. Après l'idée, il nous faut le plan après le plan il nous faut les détails donc maintenant si c'est côté du serveur il nous faut une base de données les détails c'est très très important pourquoi les détails c'est très important grâce aux détails vous allez avoir beaucoup d'arguments beaucoup d'explications à convaincre afin que vous pouvez convaincre le client l'utilisateur qui va servir avec vos logiciels ou bien votre logiciel les gars maintenant pour exécuter le programme, Déjà il nous faut le fichier, le fichier maison. Prenons le cas avec Monsieur Jacques. Donc voilà, il a beaucoup d'argent. Il voulait créer, mais pas créer, ou du moins, il veut construire sa propre maison. Il a fait appel avec un architecte, tout ça, avec les explications que je vous ai données. Donc voilà, c'est comme ça. Bon, voilà, on a créé le fichier maison. Donc, dans un premier temps, on a vu une chambre 1. Dans la chambre 1, on a fait quoi ensemble? On a fait en sorte que voilà on fait appel avec les bibliothèques et grâce aux bibliothèques donc c'est eux qui vont décorer la chambre numéro 1 la chambre numéro 1 c'est eux qui vont décorer la chambre numéro 1 après la décoration quand, quand que voilà les ouvriers les marchands tout ça en termine là maintenant ils vont dire ok c'est bon on peut passer dans la chambre numéro 2 et aussi ce qui est important dans la chambre numéro 2 on a fait appel avec une autre bibliothèque sur plus c'est à dire MySQL Connector ensuite il y avait des détails que voilà il fallait vous apporter Il fallait que voilà je vous rapporte parce que normalement ça peut arriver ça ça donne des erreurs quand vous avez essayé de, de importer MySQL Connector donc il vous faut il faut faire ça voyez ouais, donc il faut aller récupérer là où se trouve euh, le Python que vous utilisez donc c'est moi c'est Python 39 donc voilà il faut directement aller dans euh, et, et directement aller dans 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 dans, dans excuse-moi dans User, si c vous, si c'est en français, ça va être Utilisateur. Donc, JB95, c'est le nom de, de votre PC. Donc, CD, App, tout ça, etc. Donc, et, immédiatement, vous allez là-bas et vous allez, vous, a, vous allez voir ça, là. App Data, Local, Programme, jusqu'à Python, vous allez faire une copie. puis directement, vous allez déposer ça. Mais ce n'est pas ici qu'il faut faire ça. C'est directement là. Donc, vous voyez. Dans User, Utilisateur. Et puis, voilà. Voilà jbdev95 et puis appdata tout ça etc et voilà appdata local tout ça etc jusqu'à python et ensuite il va vous dire donc vous utilisez quel, quel python donc et ensuite après donc vous, vous allez directement ouais donc voilà mais cd bien avant ensuite vous allez prendre directement tout ça vous allez le plaquer en place ça c'est bon c'est parfait voyez ce que je veux dire en gros donc il va nous dire là on est bien dans, dans Python 39 donc Python 39 hop là on va prendre l'élément que vous voyez ici là Python MPI hop place directement colle et ça c'est bon vous pouvez utiliser MySQL Connector c'est bon et ensuite avec la bibliothèque COPLU au plus qu'on a qu'on a importé depuis la chambre numéro 2. Donc, il y a les fonctionnalités, c'est-à-dire ma base de données, tout ça, etc. Donc, les choses à retenir au niveau euh, d'ajoutement, au niveau de modification, au niveau de suppression, c'est quoi C'est les variables qui vont récupérer les informations, la, les variables qui vont récupérer les informations que l'utilisateur donc entrées, et ensuite, la variable qui va connecter avec la base de données, et ensuite, la variable... De, 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 de manipulatrice qui va qui va me permettre en fait de manipuler c'est-à-dire d'insérer de modifier ensuite les deux variables pour la requête pour pour ensuite la variable de, de, de récupération Ensuite, je vais mettre les deux là à l'intérieur de la variable de manipulatrice pour exécuter la requête en question. Ensuite, commit, dernière matricule, tout ça, c'est les petits détails, l'information, tout ça, etc. C'est les choses à retenir. Donc, je pense que là maintenant, ça est, c'est bon. Et franchement, c'est une vidéo à ne pas rater pour les débutants. Et prenez soin de vous, les gars. À la prochaine pour d'autres vidéos. Et aussi, il va y avoir d'autres projets. Et merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.